Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois Solène qui vient du centre de danse de Tamanou. C'est ça, bonjour. Et tu es venue sur les pointes? Ou alors... Plutôt ça. Voilà. Plutôt ça, c'est en rapport avec le thème du spectacle de cette année, oui. Donc c'est Kirikou. Voilà, c'est ça. Kirikou. Alors vous avez repris l'affiche de la sorcière Karaba. Voilà, c'est ça, la sorcière Karaba, bien impressionnante. Est-ce que c'est la même histoire? Alors oui, on a retracé fidèlement l'histoire de Kirikou et la sorcière, parce que du coup il y a eu plein d'autres histoires de Kirikou. Et nous, on s'est... La première, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, la première qui est sortie. Ouais, celle de 98. C'était un dessin animé absolument extraordinaire. Oui, c'est ça. Et puis, ça a cassé aussi beaucoup de codes. C'est pas un dessin animé Walt Disney. Donc, voilà, c'est des graphismes différents, des paysages. Même l'histoire, il n'y a pas de princesse. Tant mieux, ça commence à bien faire les princesses. On change un peu. Quoi que nous, les princesses, elles mettent toujours deux baffes au prince charmant avant aussi, de. Aussi, voilà, maintenant il y a des nouveaux codes. Nouveaux codes de princesse. Donc, vous avez retranscrit l'histoire ou, je veux dire, il y a quand même beaucoup de percussions africaines? Alors, il y a des percussions africaines enregistrées, mais aussi en live cette année, parce que du coup, on s'est associé avec l'association Pépé, qui a été dirigée par Saïdou Diallo. Et donc, ils vont nous jouer aussi de la musique traditionnelle africaine en live, et il y aura aussi de la danse africaine. Donc, on a laissé aussi les spécialistes voilà, pour vraiment nous mettre dans ce monde de l'Afrique. Alors, voilà. Qui fait Kirikou? Alors c'est une danseuse, on n'a pas de danseur, on n'a pas de danseur à Tamanou. Alors du coup on fait, voilà, donc c'est une petite danseuse, Ereiti, qui a 11 ans, voilà, qui va jouer le rôle de Kirikou tout au long. Elle est noire comme Kirikou ou alors elle est là... Elle est bronzée aussi parce qu'elle est d'ici, mais non, pas toute noire, non. Mais bah, ça passe quand même, parce que c'est vrai qu'il est tellement craquant ce petit Kirikou avec son petit bidon, avec sa petite houppette là. Voilà, compliqué hein, d'avoir un tout petit gabarit qui puisse assurer tout le spectacle. Voilà, comment c'est vous avez évident. Fait pour le costume par exemple? Alors pour le costume, donc du coup on a essayé de, donc forcément de la masculiniser. Et donc la laisser dans un monde à la fois de l'enfant et à la fois masculin, et tout en s'inspirant des tenues africaines. Donc par exemple, elle va avoir un plastron avec des perles, tout simplement, voilà, qui se fait beaucoup en Afrique, et des perles colorées pour plutôt ramener au monde de l'enfant, avec forcément un haut couleur chair pour éviter, imaginer. On va dire qu'il est tout nu, Kirikou il est tout nu. Oui, il est tout nu avec un petit kiki. Voilà. Donc on lui avait quand même pas mis un petit kiki. Non, il y avait un petit pantalon. Voilà, on lui a mis un pantalon. Non, non, voilà. On reste sérieux. Oui, c'est ça quand même. Et donc après tout le groupe, comment ça se passe? Parce que la sorcière, alors cette sorcière Karaba. Donc voilà, tous les personnages sont représentés, la majorité en tout cas. On va avoir donc Kirikou, on vient d'en parler, Karaba la sorcière qui sera là aussi, le grand-père, c'est important, voilà, oui. le sage dans sa termitière, hein, qui nous donne un petit peu, qui nous dévoile le secret de Karaba. Il y a aussi la maman de Kirikou qui est bien présente, parce que le pauvre Kirikou, il est un peu rejeté par tout le monde. Parce qu'il est petit justement, voilà. Donc, et petit, intelligent, ça dérange. Voilà, c'est ça, ça va pas ensemble. Donc du coup, voilà, la maman aussi est présente. Et puis après, il y a plein d'autres aventures qui sont menées par la danse, par des groupes, plutôt qu'un individu. Vous avez rajouté des anecdotes ou comment? Non, vraiment, on a suivi le fil conducteur de l'histoire. Et ça a plu aux enfants tout de suite? Comment ça s'est passé pour voilà, le choix? Voilà, c'est ça. On a eu, alors le choix, il s'est fait déjà depuis l'année dernière. On fermait les portes du Grand Théâtre, donc c'était Peter Pan l'année dernière. Ouais. Et on avait décidé notre thème déjà, quand on a clôturé Peter Pan. Et oui, les enfants, moi j'étais un peu hésitante quant à la réaction effectivement des enfants. Parce que nous, bon, c'est un dessin animé qui date de 98. Donc c'est plus vous de avez été versé, voilà, c'est plus ma génération. Et là, tu dis... Et là, les petits de 6 ans, 7 ans, 8 ans, je savais même pas s'ils connaissaient cette histoire. Et en fait, si, il y en a beaucoup qui, ben justement, les parents ont transmis quand même cette histoire aux enfants. Donc du coup, c'est bien, en général, dans la majorité des cas, ils connaissaient déjà l'histoire. Et puis ils connaissaient les autres histoires que moi je ne connais pas par contre de Kirikou. Oui, parce qu'on a fait, il y en a eu plein après. Il y en a eu plein. Donc eux, ils ont été peut-être bercés par ceux-là et moi par le premier. Mais on s'y retrouve. Kirikou, ils savent qui c'est. Et puis la fameuse chanson de Kirikou est petit, mais c'est mon ami, elle est connue par
part beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle elle voilà. Elle est très chantante, elle est très mignonne en plus. Oui, et en fait, dans le, si tu viens nous voir, elle est mélangée. Il y a des moments où elle est interprétée de façon très triste, parce qu'à un moment donné, Kirikou, il meurt dans la source. Enfin, il meurt. On a l'impression qu'il est mort, et du coup, on a encore ce leitmotiv, cette chanson qui revient, mais elle est chantée et interprétée d'une façon beaucoup plus douce. Et qui emmène aussi ce côté un petit peu triste. Donc voilà, elle peut être interprétée de différentes façons. Donc on la retrouvera tout au long du spectacle avec ses différentes interprétations. Et le costume de la sorcière, parce que c'est plus beau costume. Oui. Alors magique, forcément, il est très majestueux puisqu'elle est imposante, même si elle est tout le temps assez statique, que ce soit dans le dessin animé, mais aussi dans le spectacle, elle est assez statique, mais elle est là, elle en impose. Donc par sa présence, par sa tenue, par effectivement cette grande coiffure hein, qu'on va reproduire aussi. Et puis bien sûr tous ces bijoux qui l'ornent. Voilà. Alors qui fait la sorcière ? Maëva. Donc c'était elle qui avait interprété Peter Pan l'année dernière. Et cette année, c'est notre dernière année avec elle puisqu'elle nous quitte pour ses études. Donc du coup, voilà, c'était important pour moi de la remettre aussi un peu devant. Et elle continue dans la danse ou ses études, c'est autre chose ? Voilà, c'est autre chose, ses études. Je crois qu'elle est dans les sciences de laboratoire, chimie, je ne sais pas trop. Donc en espérant qu'elle continue quand même la danse là-bas. Mais voilà, c'était aussi un clin d'œil de la remettre sur scène pour la dernière fois sur Tahiti. Quoi. Oui, c'est un petit peu dur de voir vos danseurs une fois. À chaque fois partie, ouais, voilà, c'est ça, il y en a quelques-uns. Voilà. J'ai le sage aussi, pareil, c'est sa dernière année. Sur scène en tout cas, mais c'est pareil, elle fait un an de passesse ici et donc du coup elle m'a déjà dit l'année prochaine je viendrai prendre des cours, mais sans doute que le spectacle ça va être trop compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de répétitions quand même, donc les études et la danse, à un moment donné il faut choisir et, ça va encore comme période, c'est pas trop tard dans l'année. Non, ça va. C'est les examens quand même. Ouais, après à l'université c'est quand même décalé les examens, on est plus fin juin, mi-juin, on est un peu en avant, donc voilà. Donc du coup, elles seront sur scène pour la dernière fois avec nous. Et toi, est-ce que tu arrives à danser un peu ? Oui, un petit peu. Ah. Voilà, on se laisse toujours une petite parenthèse. Oui, parce que voilà. Si tu fais ce métier, c'est que tu aimes danser quand même. C'est ça, à la base, et heureusement. Oui, on s'est laissé des petites parenthèses, donc moi et aussi l'autre professeur de classique. Voilà, on a quelques petites minutes, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est pas la peine de venir à la radio quand même. Donc, ça fond les moyens de vous faire parler. J'ai dévoilé le costume de Kirikou, celui de Karaba. Ça va, des surprises. Je vais te poser encore des questions indiscrètes. Oui. Les dates et le prix. Alors, les dates 4 et 5 mai à 19h30 au Grand Théâtre. Tarif unique, c'est 2500 francs pour tout le monde. Voilà. Et on les trouve où ces places ? Alors, les places dans les billetteries habituelles, dans les trois carrefours, à Rouet, Fa1 et Penalia. Et en ligne www.ticket-pacifique.pf. Voilà, ticket-pacifique.pf, oui, c'est pratique aussi. Bien, écoute, donc vous avez gardé le titre, Kirikou ? Oui, Kirikou, on va le retrouver, on nous retrouve comme ça, Kirikou. Kirikou. Ça tourne sur Facebook. Kirikou, il est où ? Au Grand Théâtre. C'est ça, le 4 et le 5 mai, 19h30, faut pas le rater. Merci Solène. Merci à toi.